Eh bien, c'est parti. Une heure ou deux de montée. Il y a une quarantaine d'années, le glacier Glavsviv descendait jusque-là. Alors en haut, on voit briller. C'est de la glace, mais c'est simplement l'eau du ruisseau qui fait des vagues et qui est des bulles, des bosses. Mais ça va vite dégeler, ça. Le glacier est encore beaucoup plus haut. Voilà, on commence à voir le glacier en haut. C'est un glacier mourant. Comme moi maintenant. On entend l'eau dessous. Je suis plein sur le lit fluviaux sous-glaciaire. Voilà, c'est cette glace qu'on voit qui brille. C'est juste le ruisseau qui affleure. Il porte les skis sur le dos. Trop raide. On arrive à la pointe du glacier. Ici, on voit la pyramide sur l'arête ouest du Pecklet. C'est une course bien, bien courue par les guides. Et là, juste devant, il y a un mur de glace de 15 à 20 mètres de haut. 70 degrés et on s'amusait à le parcourir, assuré d'en haut. Ils peuvent pas prendre tout droit, ils n'ont pas les couteaux à neige. C'est de la glace vieux. Ah, ça va. Si on tombait, on allait jusqu'en bas. Ils ont des chaussées, c'est trop glacé. Moi j'ai les couteaux à glace, ça va.
Alors, on peut se poser des questions. C'est comment dessous l'été? Dessous l'été, ben, il y a la glace. C'est tout ondulé. Il y a des vaguelettes. C'est jamais lisse. Et il y a plein de nervures où circule l'eau en surface. On appelle ça des baignières. Et tous ces ruisseaux se rejoignent en un endroit, des baignières, une grosse baignière souvent. Mais il peut y en avoir des intermédiaires, des baies plus petites. Alors, on a la télécabine de Orel, mais avant, au premier projet, elle était prévue départ de Modane. Et arriver par ici, je ne sais pas trop où, sur le plateau. Alors, sur ce plateau, je connais toujours, le gars qui a creusé avec son bulldozer pour faire la gare d'arrivée. Alors, avant d'avoir le rocher pour la construction, il a creusé 15 mètres de profondeur pour trouver le rocher. Alors, bien sûr, il a fait un grand trou de très grande largeur pour pouvoir mettre une gare d'arrivée. Les travaux ont tardé. L'année d'après, c'était déjà tout comblé. La glace s'était engouffrée dedans. Et on ne voyait plus rien, pratiquement. Alors, du coup, ils ont changé le projet. Et puis, ils ont fait le départ à Orel. Arrivée du télésiège, à Pointe de Torrent. Le col de Pierre-Laurie est juste en dessus, la pointe du Bouchet, 3004. C'est côté Orel. Alors là, on est en Maurienne. Et là-bas, c'est le col de Polsay. Il y a un glacier de Polsay derrière. Un petit glacier. Il suffit de traverser. On passe au lac Café au Lait et on arrive au col de Chavière. Le col de Chavière, c'est le fond de la vallée des Prioux à Pralognan. C'est très long là, pour partir d'ici. Voilà le passage. Il n'y a pas une seule crevasse, il n'y a même pas de glacier, c'est tout à nu jusqu'au col là-haut. Et après, ben, on est à plan pied, au col de Gébaud là. Alors ici, il y a, ouf là, plus de 40 ans, il y avait un tire-fesse qui arrivait jusqu'ici. Et puis qui descendait assez bas en Maurienne. C'était un tire-fesse flottant. Alors, les piquets, les poteaux de soutènement du câble étaient encastrés dans la glace. Et puis, chaque année, ou peut-être plusieurs fois par année, ils devaient les bouger. Alors, cette pierre surélevée, on appelle les pénitents des neiges. La pierre fait de l'ombre, la glace ne fond pas, et puis ben, la pierre se trouve surélevée par rapport au glacier. Et là, voici une autre colle. Ah bah dis, en Maurienne il y a les nuages, faut pas comparer la Maurienne et la Tarentaise. Ah, je suis pas le premier, il y a déjà des traces. Ah bah, on voit la table devant. Et voilà.
pointe de Torrent et le col à droite. Voilà l'itinéraire de montée que je conseille. Il y en a un qui est en train de la descendre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre les couteaux à neige. On les met sous le pied, sur le ski. Et ça accroche. Des fixations, toutes petites, toutes légères. Butée avant, butée arrière. Et le sigle de la chaîne. Trois vallées tarentaises. Que le sport commence. Wouhou ! Pas une trace. Voilà, on arrive au rognon rocheux. Vaut mieux passer au-dessus parce que dessous, c'est merdique. Hein. Tout ça pour une minute de descente. Même pas. Ah, c'est dur la vie. Alors là, à droite, il y a trois crevasses. Alors, vaut mieux, je les évite. Comme je suis tout seul. Youhou ! Là au fond où je passe, il y avait un lac, je crois qu'il n'y est plus. Voilà. Il va falloir que je remonte un peu. Ah ben les deux, là, les trois, ils sont juste sous les crevasses. Bon. Je remonte. Woo!